Oh, c'est stylé cette symétrie, non? On voulait trop si j'en rêve. Putain, t'es gauche. Mais non, dans l'autre sens. Mais non. Oui, si, c'est comme ça. Regarde, bon, est-ce qu'on peut commencer l'interview, ouais, commence. Sérieusement, ouais. Salut, c'est Boutabou. Salut. Yo. Yo. Moi, c'est Victor. Du coup, je suis coréal avec Tom. Moi, c'est Tom. Je m'occupe de tout ce qui est la réalisation vidéo de la série. Du coup, Louis, ingénieur son. Moi, du coup, c'est Victor. Je suis plus ou moins régisseur général. Putain. Bravo. Bon alors, je vais prendre les choses en main parce que là je sens que ça va pas du tout, il y a vraiment un malaise qui s'installe. Vas-y. Aujourd'hui on est là parce que c'est le tournage de la saison 3 d'Objets Trouvés. C'est un projet qu'on a construit avec l'association Bout à Bout, qu'on mène et qu'on réalise déjà depuis un an. L'idée c'est d'inviter des artistes locaux à nous présenter une interprétation d'une chanson qu'ils auront écrite en rapport avec un objet qu'ils auront choisi. Vous avez compris? Pas moi. Si, c'était bien, c'était bien. Puis on a tourné du coup déjà deux saisons qui sont déjà disponibles sur YouTube et là en fait on est sur le plateau, le nouveau plateau de la saison 3. Et donc depuis la première saison en fait le projet il a vraiment évolué avec l'idée d'à chaque saison en fait améliorer la qualité, que ce soit du son, de l'image. L'objectif vraiment de la série Objets Trouvés c'est d'offrir des artistes, que ce soit des artistes qui rappent depuis 15 ans ou des artistes qui rappent depuis 15 jours dans leur chambre, les mêmes conditions de tournage, le même matériel professionnel, la même équipe technique, pour à la fin un résultat en fait de la meilleure qualité possible. Et tout ça évidemment gratuitement. Tout ce qu'on fait pour les artistes dépensent pas un centime. Ils sont totalement invités et prennent part au projet avec nous. Et nous on prend beaucoup de plaisir à les inviter. Allez, salut, on est parti pour une petite visite des studios d'Objets Trouvés. C'est par ici. En fait, ce qui est cool avec le plateau de tournage d'Objets Trouvés, c'est qu'on tourne dans un ancien plateau télé des années 80. Et du coup, c'est hyper confortable parce qu'on a tout le set, que ce soit la loge, que ce soit les lumières, que ce soit le plateau, en fait, qui est déjà super grand et déjà insonorisé. Donc ici, en fait, on a la loge des artistes. Ah, ça, salut. Ça, c'est mon tonton, ça, c'est ingé son. On fait la paire. Allez, va travailler, putain. On va pas faire trop de bruit parce qu'il y a une interview. Troisième question, on est d'accord sur la... On va pas les déranger plus, on va aller voir le studio de tournage direct. C'est par là. Pour être honnête, j'en ai tout. Donc ici, il y a Pro qui est en train de faire ses réglages de son. Donc ici, on a un petit set avec trois caméras pour faire tous nos plans. Ici, on a toutes les lumières. Plus je peux demander, plus je vis et plus j'imagine la suite. On ira peut-être en Arctique, je tenterai d'allumer un feu pour te rendre le triste. Ici, c'est le coin de l'hôpital. L'ingé son, va finir ce qu'il fait. Désolé, c'était juste, je vais régler un dernier truc. On reprend vers là. On se touche, ça me réveille, on ne se connaît plus quand vient l'hiver. En fait, ils nous suivent dans l'écriture dès le début, dans l'envoi de maquettes, dans l'envoi des prods, sur le tournage, et même en après, quoi, carrément après la post-prod. Et on est encore en contact avec les artistes de la saison 1 et la saison 2, avec qui on a travaillé sur des clips. On reste toujours en contact en fait avec ces artistes, c'est jamais fini, c'est pas parce qu'ils viennent tourner et ils repartent. On essaye vraiment de travailler sur la longévité, ça se dit? Non. Et donc, sur en fait, la pérennisation. Longévité. Et en fait, à la fin, ils ont possibilité de s'impliquer à long terme avec Bout à Bout. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe au plus mal. Je m'occupe de tout ce qui est la conception de l'image, évidemment, avec tous les autres membres de l'asso. Et puis la gestion des caméras avec Victor. Moi, mon rôle, c'est de m'occuper de la partie qui est là-bas, qui est le son. M'assurer que l'acoustique soit bonne, qu'il n'y a aucun problème de son et aucune interférence durant tout l'enregistrement. Arrêt m'occuper du son, justement, donc de tout ce qui se passe ici. Et bien, on part en résidence pour mixer et monter les musiques. Justement, on est très heureux cette saison, pour la saison 3, d'être soutenu financièrement et moralement par le département, la CAF et la ville de Bordeaux. Non, c'est trop bien parce que vraiment, quand on voit la première journée où on arrive à caler 6 artistes dans une seule journée, et puis c'était vraiment le rush toute la journée, on devait passer tout en une heure, tout ça. Maintenant, on a un peu le choix aussi d'étaler un peu nos tournages sur plusieurs journées au lieu de tout concentrer dans une et pouvoir être un peu plus tranquille pour passer aussi plus de temps à du coup, la prestation sonore, vidéo, et c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui en ressort. Et c'est aussi ça qui montre l'évolution, notamment d'une saison à l'autre en fait. Grosse fumée, ma gueule.
Ouais, c'est lourd. Plus globalement, l'association Bout à Bout, c'est pas simplement le projet Objet Trouvé. Un Bout à Bout, à la base, c'est l'histoire de trois potes. Donc on est tous les deux les membres fondateurs avec Victor. Louis et Victor se sont rajoutés. Il y a aussi Olaf et beaucoup d'autres bénévoles qui sont notamment aujourd'hui derrière la caméra, qui nous aident un petit peu tous les jours. Déjà, grand remerciement à tous ces gens. Du coup, au-delà d'Objet Trouvé, Bout à Bout, c'est une association de création audiovisuelle au sens large. Donc on fait des clips pour les artistes de la région, on fait des after movies pour les petits festivals aussi du coin. Bout à Bout, ça existe depuis 3 ans et c'est pas prêt de s'arrêter. Et aussi, je rajoute, parce qu'on l'a pas dit, mais on fait aussi de l'enregistrement en studio. Ah putain, je le savais. Bout à Bout, c'est quand même un petit bébé qui a bien grandi depuis ces 3 dernières années. C'est trop bien. On est vraiment contents, voilà, de tout ce qu'on a proposé jusqu'à présent. Je pense qu'on va être encore plus content de ce qu'on va proposer par la suite. Je pense qu'on a tous hâte là de voir ce qui va se passer dans les prochaines années, dans les prochains mois là déjà. On a hâte aussi que d'autres personnes en fait se joignent aussi à cette aventure. Et on est vraiment ouvert à toute personne désireuse de s'aventurer avec nous dans ce futur qui nous paraît le plus beau. Je vais pleurer, voilà. 3, 2, 1. J'ai parti pour 3 jours de mixage intensif. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui pourrait expliquer à Louis comment faire de la merde? Parce que là, il est en train de faire que de la frappe, hein. Ouais. Bientôt à la fin de 3 jours de mixage. Non. Bah, ah bon? Je sens le 4e jour arriver, là. Ah ouais? Ah oui. Il va arriver quand? Dans 2 mois. C'est la dernière phrase, et après, boum boum, instru direct. Transition... C'est pas mal. C'est mon dernier mixage. On finit sur bro, on finit en beauté, mon pote. Et après, ça part en montage à la palmière. Ouais, bon, jour 1, il est 9h30. Personne n'est réveillé. On avait dit petit brief à 9h avec le café. 9h pétante au café, petit brief. Et y a personne de réveillé. Puis ça commence bien. Je vais les réveiller ou quoi? Ouais, Bout à Bout, debout! Debout, Bout à Bout, Bout à Bout, making of, premier jour en retard, ouais, petit déj, maintenant tout de suite, go! Le montage à Bout à Bout, voilà ce que ça crée. Voilà le montage. Vas-y, bouge, on se repose. Je voudrais quand même remercier, du coup, globalement, tous les artistes qui ont pu participer avec nous de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3. Remercier tous les bénévoles qui travaillent avec nous. Je pense à Savannah, je pense à Maïva, je pense à JB, à Célicia, Johanna, Marin. Je pense aussi à Malia du département qui nous a justement mis sur la piste de toutes les subventions qu'on a reçues. Je pense aux gens de la cave, je pense aux gens de la ville. Je pense même à l'UT Bord de Montagne qui nous laisse ce plateau. Je pense à l'association Toutas qui nous permet de créer ce partenariat. Et surtout, l'association Bout à Bout. Hey, abonnez-vous. C'est qui qui fait le montage? C'est toi, Louis? Ouais, abonnez-vous, la cloche. Oh, Crystal qui? Bout à Bout. Tout normal. Les amis, oui. C'est une fin de tournage. Ouais. Thank you.